Eh ben dis donc, il n'y a plus beaucoup de jours dans le calendrier de l'Avent. Hein. T'as vu comment il fait pas bon dehors, mon chat? Ouï, ouï, ouï. Alors, on est donc le 21, j'imagine. Bah oui, c'est ça. On est le 21, mon cœur. Hop. C'est presque fini, hein, le calendrier de l'Avent. Ça veut dire que le Père Noël va bientôt venir. 5 heures une étoile. Oh là là, on va l'ouvrir. Bon, du coup, Mila a eu des bracelets poupées LOL qui sont trop mignons, franchement. Elle m'en a donné un, elle en a gardé un. Et ça, c'est celui de Mila. Ils sont trop mignons, franchement. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui. Et là, j'allais aller ranger les affaires de Mila que j'ai arrangé, bref, on s'en fout. Quoi de prévu aujourd'hui? J'ai un petit peu de boulot, avant des petites vacances. Non, on ne part nulle part. Hein. Pas s'emballer quand je dis des vacances, c'est les vacances de Mila parce que c'est les vacances de Noël, c'est tout. On ne fait rien, on ne bouge pas. Je ne suis plus en état de voyager ni en voiture, ni en train, ni en avion, ni quoi que ce soit de toute façon. Mais même pour moi, c'est un peu des petites vacances parce que c'est vrai que pendant les vacances de Noël, sur les réseaux sociaux, il se passe un peu moins de choses et du coup, ben, je vais être un peu plus relax, un peu plus de repos, etc. Et ça va me faire du bien, mis à part cette fameuse fête de Noël hein, qu'il faut préparer quand même. Donc là, je vais ranger ses affaires. Alex, lui, récupérera Mila et s'en occupera sur l'heure de midi. Et ensuite, il va chez le coiffeur. Donc, je sais pas ce qu'il va faire. Je pense qu'il va se recouper tout simplement les cheveux un peu plus courts, comme il fait généralement. Et puis voilà. Bon, je veux reprendre la voiture. Mila, elle est complètement blasée parce qu'en fait, on avait rendez-vous chez l'ostéo aujourd'hui. Et on arrive devant la porte de l'ostéo. Et l'ostéo a mis une affiche comme quoi il est malade. Et bah, qu'il reporte les rendez-vous et qu'il faudra reprendre rendez-vous. Et du coup, Mila, il fallait vraiment le voir parce qu'elle a vraiment mal au dos. C'est pas ce qu'elle a. Et du coup, grosse déception. Mais c'est pas grave, on reprendra rendez-vous. Et comme on n'est pas super super loin, on va aller au diner où on allait tout le temps avant à Maubeuge. Mais c'est vrai qu'on va pratiquement plus à Maubeuge pour le moment. J'y suis allée la semaine dernière pour faire quelques courses avec ma mère, mais ça en reste là. Donc on n'a plus trop l'occasion d'y aller alors qu'on adore aller manger là-bas. Donc bien sûr, il n'est pas l'heure de manger manger, il est 15h. Donc on va goûter un peu en avance, voilà. Et Mila adore les donuts là-bas, les milkshakes, tout ça. Donc on va lui remonter le moral avec ça. Sinon, Alex s'est coupé les cheveux. Voilà, c'est fait. Je suis mieux comme ça ou j'ai ouais. La barbe? Non, oh non, t'es mieux avec les cheveux courts comme ça. T'es mieux comme ça, y'a rien à dire. Mais t'arrives pas à monter. Bah alors. C'est tout à la fin le dessert, regarde. Prends quelques kilos plus tard, oui. C'était très bon ces chips au cheddar là, ces nachos. J'en ai un peu dans les joues, du gras, du cheddar. Bon les amis, on est passé chez Action très rapidement parce qu'il y a un Action juste à côté, un magasin Action. Et j'ai trouvé deux trucs vraiment méga intéressants que je vais vous montrer. Il y en a un qui est resté dans le coffre de la voiture, donc on va devoir aller chercher. C'est des stickers poupées LOL que j'ai payé 69 centimes. Ça vaut trop le coup pour celles qui ont Action et qui kiffent, qui ont des enfants en tout cas, qui kiffent les poupées LOL, voilà. Et j'ai trouvé ça aussi que j'ai trouvé méga intéressant. C'est, vous savez, les confettis en espèce de papier de soie pour mettre sur les tables d'anniversaire ou même pour faire des photos, etc. C'est 99 centimes. Faut savoir que dans les trucs spécialisés, c'est beaucoup beaucoup plus cher. Maman, ça doit être 6-7 euros le petit sachet. Et là, j'ai payé, voilà, même pas 1 euro pour la grosse boîte. Non, c'est pour les anniversaires. J'ai pris la boîte de cette couleur-ci. Il y en a même des, vous voyez, des brillants. Ils sont trop beaux, franchement. T'as ton rose rouge. On le garde pour Noël, d'accord? On le garde pour Noël? Oui. Moi, je trouve que ça ferait bien aussi pour la Saint-Valentin. Et c'est bientôt en plus la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Et on met des ballons en cœur rouge, on met des... Pourquoi pas ça sur la table, etc. Ce sera la fête de papa et maman qui sont amoureux. Moi, mon amoureux, ça sera Timothée. Hein. C'est vrai, ton amoureux, c'est Timothée qui s'appelle. On saura tout ici, on saura tout. C'est Timothée, ton amoureux? Oui. Comment ça se fait? Comment ça se fait que c'est ton amoureux? Parce qu'il m'aimait avant. Il t'aimait avant?
Oui. Et maintenant, il t'aime plus? Oui. Si? Oui, mais il ne fait plus de bisous. Hein. Ah, il ne te fait plus de bisous, il a arrêté les bêtises. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Timothée, qui est un petit garçon trop mignon, qui faisait des bisous à Mila l'année dernière. Voilà, Mila le s'en plaignait tout le temps. Oui, je m'en plaignais tout le temps. Et maintenant, il te laisse tranquille. Il n'est plus dans ta classe de toute façon. Oui, je vois la récréation. Hein. Et maintenant, c'est ton amoureux. C'est ça qui est bizarre. L'année dernière, ça t'embêtait. Maintenant, c'est ton amoureux. Oui. Tu l'aimes bien? Oui. Maman. Oui. Tu sais que je cours très très fort. Tu cours très très fort, tu cours très très vite, tu veux dire. Oui. Après les garçons, tu cours très très vite. Non. C'est les garçons qui te courent très très vite après. Non. Non plus. Quand c'est quand je joue au loup, j'essaie de m'attraper les garçons. Et du coup, ils m'empêchent de courir. Ok. Et du coup, Alex est parti chercher gentiment les stickers que j'ai trouvé là-bas. Donc c'est 120 stickers, franchement ils sont trop beaux et ils sont de super qualité. Et c'est les poupées LOL. Et j'ai aussi pris des animaux. Hein. Des animaux, quand il y en a plusieurs, on t'a déjà dit. Des animaux, hein, on apprend des animaux. Mila elle a demandé ceux-ci en plus, ils sont très jolis aussi. Ces stickers 3D comme ça, ils sont trop beaux. Bon, je vous reprends beaucoup plus tard de la chambre. Je suis à chasse, les amis. J'ai pas énormément vlogué aujourd'hui. Je suis fatiguée. J'ai pas mal bossé aussi, l'air de rien. J'espère que vous aurez vu ma vidéo que je vous ai postée ce matin, du coup, pour vous, vers 9h. Je vous ai posté la vidéo du salon tour. Si vous ne l'avez pas vue, bien sûr, je vous la mettrai tout à la fin de cette vidéo. Je vous la mettrai juste ici. N'hésitez pas à aller la voir, c'est une chouette vidéo. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis je vous retrouve dès demain pour de nouvelles aventures. Et je vous fais des gros bisous. À demain, portez-vous bien.